Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de recette, c'est juste une vidéo technique pour vous montrer comment activer le maintien au chaud sur les Ninja, donc Ninja Smart Lid, donc les nouveaux modèles. Donc que ce soit le Ninja Foodie Smart Lid 11 en 1, 12 en 1 ou 14 en 1, c'est exactement la même méthode. Et vous êtes très nombreux à dire, depuis que j'ai ce nouveau modèle Smart Lid, il n'y a pas de maintien au chaud, je n'arrive pas à mettre le maintien au chaud. Comment on fait pour mettre le maintien au chaud? Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo dans le but de vous aider. Parce que c'est vrai que ici, on a le bouton Keep Warm. J'allume l'appareil. Quand on appuie dessus, ça n'active pas forcément le keep warm, donc le maintien au chaud. Et normalement, on a la possibilité de maintenir notre nourriture au chaud pendant une durée de 12 heures. Ok ? Ce qui est hyper bien avec les Smart Lid par rapport au modèle OP500 ou OP300, donc le Ninja Foodie Max 9 en 1 ou Ninja Foodie 7 en 1 ou même le OP100, bref, tous les anciens modèles des Ninja multicuiseurs, l'avantage de celui-ci, c'est que le maintien au chaud, vous pouvez l'activer pour n'importe quelle fonction. Que sur l'ancien modèle, donc le Foodie Max, le 9 en 1, je pouvais seulement activer la fonction Keep Warm de maintien au chaud après seulement une cuisson sous pression, vapeur, etc. Donc toutes les fonctions qui étaient à gauche. Mais là, sur ce modèle, c'est vraiment pour toutes les fonctions. Alors c'est très simple, pour activer le maintien au chaud, le Keep Warm, vous mettez votre curseur tout à droite et là vous avez plusieurs fonctions. Il faut vous rendre tout simplement dans la fonction Slow Cook. Donc Slow Cook, c'est une cuisson très lente, c'est pour faire mijoter des plats qui demandent beaucoup de cuisson, comme le bœuf bourguignon, des fois il y en a, ils mettent 4 heures de cuisson, ou bien la mlouria tunisienne où ça demande 4 à 6 heures de cuisson. Bon bref, le Slow Cook que vous connaissez tous. À gauche, vous avez des flèches ici. Donc c'est pour une température haute quand on est en high. Ici, quand on appuie sur la flèche du bas, ça met en low, ce qui correspond à une cuisson lente mais à faible température. Et si vous continuez de cliquer une dernière fois, vous avez le mode buffet. Et le mode buffet, c'est ça qui correspond au Keep Warm. Donc c'est ce mode buffet, le maintien au chaud. Et ici, sur les flèches de droite, vous pouvez régler combien d'heures. Donc ça va vraiment de 2 heures à 12 heures. Voilà pour la fonction de maintien au chaud. En fait, le maintien au chaud, il est là. Regardez, parce que le Keep Warm, là, il s'est allumé, il est activé. Mais cette fonction, pour l'activer, il faut bien vous rendre dans le mode Slow Cook. Et après, ici, avec les flèches, vous changez juste la température. Donc, soit en forte température si vous faites mijoter votre plat, soit en faible température si vous faites mijoter votre plat. Mais si, par exemple, comme moi, vous avez déjà de la nourriture à l'intérieur, hier, j'ai fait des pâtes bolognaises, j'en ai encore dans la cuve, je vais mettre le mode buffet pour me maintenir au chaud ma nourriture. Comme ça, à midi, dès que j'ai faim, hop, je mange. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres choses que vous ne comprenez pas sur vos multicuiseurs, ce que vous voulez. Je pourrais également vous faire une vidéo très explicite sur les différents modes sous pression, parce qu'il y a 3 modes et souvent les gens ne comprennent pas tout, même en lisant la notice. Donc, n'hésitez pas à me demander ça dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles recettes. Bye !